vous l'ambassade du vent offshore faible ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps ensoleillé dégagé. Ça picote, on relève 4 à 5 degrés dans l'air. Dans l'eau, un petit 13 degrés. La marée est en train d'être pleine basse 8h30. Elle sera haute à 14h50 avec des coefficients de 43. Le vent est passé nord-est ce matin. Un beau fort. Le plan d'eau est lisse, a légèrement ridé. C'est quand même assez propre. Et on a cette petite houle qui est moyenne à longue avec 9 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest, encore multipique, encore un peu agitée, un peu moins qu'hier, et qui est à la baisse. Il y a un déferlement régulier à 50 cm et sur les séries 70 à 80. Toujours en pic, il y a quelques bouts qui passent, avec de l'épaule, du mur au large, un peu mou, et uniquement aux séries. Au bord, c'est plus fréquent, un peu plus petit, un peu plus creux, ça fait des petits pics courts, creux, là, comme on voit là, celui au bord, là, poum! Il y en a de temps à autre, c'est pas hyper régulier, mais de temps à autre, il y a des petites vagues assez sympas à surfer. Il y a quelques surfeurs qui se présentent à l'eau. L'eau est marron. L'évolution pour le reste de la journée, ben, la houle va rester stationnaire à la mi-journée, va légèrement grossir en soirée. La bouard Brest est à la hausse à 2,20 m et 10 secondes, et la bouard Cachan commence à grossir, puisque ce matin, elle était à 1,20 m et 5 secondes, et là, elle est relevée à 1,20 m et 6 secondes. Donc la houle longue arrive. On arrive en les prévisions à 13h. 50 à 80 cm ou l'ouest-nord-ouest, 9 secondes de période vent nord-nord-ouest de Beaufort, et à 17h 50 80 cm ou l'ouest-nord-ouest avec cette houle longue, 13 secondes de période qui rentre, accompagnée par du vent nord-nord-ouest dans les 3, peut-être 4 Beaufort. Dans tous les cas, le meilleur créneau, ça sera ce matin sur le bon temps. On suit l'action, on se retrouve à 11h30 pour un prochain point. À tout à l'heure, merci.